Oyoya EAC. EAC oyo toyebite bayaki koluka nini na kata Kongo. Toyebite bayaki kosala nini na kata mboka na biso. Tozokende inane bango kutu la sede ya presque soyi 6 mois soyi 7 mois na Kongo, il y a pas même de résultats positifs na makambo bazosala na Kongo. Bemba na bisa kibino pour la première fois. Asenga ki bango ba revoir. Pourquoi bazana kata Congo? Et puis bacha calendrier arrêté, ba boudé réunion à Goma, vous le savez. Alors, maintenant, to vandimo mouke boye. Il y a une vidéo et outi Kenya, c'est en anglais, mais on va faire la traduction pour vous pour la meilleure compréhension. Un porte-parole, je ne sais pas si c'est le gouvernement, mais on m'a dit que c'est il est le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères kenyan à l'Ekina TV. Parce que tout n'a pas question, pas y'a journaliste. Je pense que Azaraki, je sais pas s'il était dans son pays, le Kenya, ou il était à l'étranger. Monsieur y'a EAC na Congo. Qu'est-ce que Bango ba Kenya va y comporter na Congo? Mais la réponse est grave. Je crois que na loba ki na vidéo tu connais ka Kenon, Félix Atikalu, la seule personne ou a koyiko convoqué réunion pour que ton longo la makamboa EAC na kata RDC. Je vous fais écouter la vidéo si il faut interpréter, n'a interpréter en haut, et puis, Noé Bisabino, qu'est-ce qu'il s'agit, et le danger que court l'unité de la nation, et la balkanisation qui est réellement vraiment à la porte du Congo. Regardez et écoutez, le ministre des Affaires du Kenya, c'est en anglais, bah, tout va dans un pays anglophone, bah, vous en a facilité à Koyo Kango, mais bino, bicho, bah, tu me suis to colline dans un pays francophone, to quoi interpréter, translate, et puis, to sali analyse. Écoutez. And it's not about us fighting the M23. We are not there to fight M23 or to fight anybody. We are there to provide a corridor that... Il dit bien que sur la situation qui se passe en République démocratique du Congo avec le M23, nous ne sommes pas partis là-bas pour combattre le M23, mais nous sommes partis faire le corridor. Donc, c'est-à-dire Bafongola Nzela. Toujours au cahier. Attendez, Nachango Chouchou. Groups that are fighting the Congolese government and the ones that are being fought by the Congolese government to have a sense of security, feel that they can start, they can start putting down their guns and getting to the table and be able to negotiate. It is important to note that M23 has been in operation for over 30 years. It is not just a simple problem that just started yesterday. So il dit que baya ki pona osa la corridor humanitaire pour le M23 ndenge RDC na ba M23 baza ko bunda bitumba, donc et ils sont là pour peut-être voir un peu que qui est la paix que bitumbe sa la maté, alors ba ko tracer corridor comme aza ko lobele yango, et dans ce corridor bango ba ko tracer alors et qu'on permettre, hein, et qu'on permettre de faire le tout possible pour que la situation revienne un peu à la paix. Je crois qu'il était aux États-Unis d'Amérique, si Azok expliquait, dossier, on a un quatre États-Unis d'Amérique. Et puis, il dit que le dossier du M23 est bandi le loté. Et banda depuis bané belé. Alors, il faut vraiment qu'il y ait une véritable solution pour que Makambwana et Zongali se chuter. On continue. We are working together, and the Nairobi processes are still going on. Processes are still going on. We have Nairobi 4 coming up, and so we are fully engaged. And there are different meetings being called this coming month to try and sort out the issue. In terms of the regional force and extending, that's in the process, and we are confident that will be. Kenya is not planning to withdraw its troops until we find an amicable. Confident that will be. Kenya is not planning to withdraw its troops until we. Voilà, peuple congolais, ce boyoki na kati sous côté wana, alors bien que non, baza ko travailler même avec l'ancien Kabila, banine tout ça, pour que baye ba qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la paix, comme je vous dis, ils ont na kata Congo le dossier du M22 bandi le loté, mais on lui va aussi poser la question, quand est-ce que vous allez quitter le Congo, faire, c'est-à-dire retrait. Hein, progressif. Alors, non, le Kenya n'a pas encore le plan, yako, bimisaba troupe, n'a, na kati mboka na biso RDC. N'a, evisaki, bino, que réunion, salamaki, en huis clos, avant-hier, na live, na salakiao.
que une réunion se tenir après Kaka Jean-Pierre Bemba a convoqué réunion à Goma, basala qui réunion à huis clos, tous les présidents Afrique de l'Est sans Félix Tshisekedi. Et c'est là où ils ont dit qui est Jean-Pierre Bemba pour AROP Sabiso, que non toi évaluer mission Nabiso et plutôt Banarobima retrait. Nous allons pas quitter le Congo. Biso toi car lobby lobby. Bongo oni. Babimisa bango te pour année. Bon, qui ministre affaires étrangères na bango nga confirmé en haut que le Kenya n'a pas encore le plan de se retirer du Congo. O ya ko Banarobima taba troupe né petit à petit na katia RDC. Fati Chilombo. Yo makambo to ebisa ka depuis kala. Bisiko zo tcha makolo oyebi mozindo yango. Tous ceux qui s'accusent d'interviewer les peuples congolais. Solution, and we want to thank our partners, the United States and others, for the promised support that we can be able to work together to ensure that that region is stable. Maybe you can take agriculture first, then I can. Right, thank you. Let me just add that in terms of our engagement in Sudan, first we've been. Voilà. Donc, c'est ça, Oya Lobby. Bah, ok, nena, nous nous quittons dans Kata Congo. Ils sont encore là. Jusqu'à ce qu'il réellement, il y aura une paix durable. C'est là où ils vont partir. Et on y a mis balai. Tu l'as créé des émonies. Il y a Afrique de l'Est. Alors, je crois que, je ne sais pas, Bemba, je crois qu'il a compris une chose. Parce que Bemba, c'est quand même, même si, il y a des critiques, tout critiqué, mais aussi, peut-être, l'amour de la patrie peut être là. Et que Bemba aussi veut marquer un peu son époque, marquer un peu son passage dans le gouvernement Chilombo. Je crois que jusqu'à présent, jusqu'aux preuves du contraire, il est le seul qui fait un peu la différence par rapport à Vital Kamerhe, à Zongeli Makambunaye, le vice-président. On le voit partout avec sa femme Amida Chatur, Kotambola, Pamba, Pamba, Kamerhe, Tala, Mamoussous, Naolobano, Abatuno, Osepelate, Kamerhe, donc tout ça. Donc on voit un peu Bemba. Qui essaie un peu de faire deux fois, je dis bien, Bemba essaie un peu de faire la différence Nassama Lukondede. On le voit pas partout, on le voit justement avec des réunions très sérieuses. C'est-à-dire, vous, on comprend maintenant, Bemba un peu met du sérieux. Je sais pas, dans l'obité, il y a un côté lié, en termes, il y a Zolan Zimbou, il y a Rambongo trop, il y a escroquerie trop, mais en tout cas, du point de vue, pour le moment, il y a forme. Tout ce monde est là, Makamayo Samanamboka, dans le ministère, de la défense, Peter Kazadi, on ne le voit pas avec de réunion. On ne le voit même pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. À part Ningaute qu'on nomme moi dans un bureau, on ne le voit pas, on ne le sent même pas qu'il est déjà devenu ministre de l'Intérieur. Mais Jean-Pierre Bemba Gombo, vous avez vu qu'il a convoqué déjà plus ou moins de 3 à 4 réunions avec les gens de l'EAC à Kinshasa, avant Bassa la réunion à Goma, au Baboya Kikoya. Il a rencontré, je crois, l'ambassadeur, je ne sais pas si c'est de la France ou de la Belgique, Tomoni Bissonos Touba Vidéo. Et maintenant, Bemba a compris aussi les jeux. Peut-être, Batoya EAC, la façon dont Bazak Oboudé, qu'on s'est retiré, Nakatia République démocratique du Congo, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire, c'est peut-être trouver l'alternative Moussoussou. Oyabiso Mokoba Congolais. Alors c'est comme ça, je crois très bien pour moi, que Bemba a commencé à initier d'autres rencontres. D'autres rencontres, Oyoko Mema, positives pour Namboka. Pour ce qu'on l'a dit, Chilombo Nabi Signa Signanaye, Mawatro. Et là, je peux aller même plus loin que Bemba Yabisi, peut-être Félix, retire-toi parce que Yosoko Zamou, tu es train, trop Nabatouana, tu ne feras rien. Laisse-moi, étant que ministre de la Défense, n'a dit le nabaton, c'est-à-dire que n'aïna zanana bango na confrontation, toi, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je crois qu'aujourd'hui, l'EAC, avec ses troupes en République démocratique du Congo, la présence de Jean-Pierre Bemba, étant que ministre des Affaires étrangères, ça commence aussi à l'air dérangé. Ça commence à l'air dérangé parce que Bemba pousse les choses. Donc, c'est-à-dire, dans un peu de temps, dans 2-3 semaines, on peut dire un mois que Bemba est ministre, on sent déjà qu'il y a une différence entre lui et le ministre de la Défense, Bokiloua Félix Tshisekedi, Kabanda Ouazala Kiwana. Une différence, c'est ça comme on a. De tel point que Azingi a dit qu'il y a une empreinte digitale. Que non, j'étais ministre de la Défense, j'ai trouvé la situation comme ça, regardez ce que moi j'ai apporté comme solution. Alors, il a, Nakada Koulukaba solution, peut-être il voit que non, si nous regardons, Kakaba occidentaux, Oyo, ba France, ba Belgique, ba Bruxelles, ba États-Unis, ba Tuana, ba partenaire, y a Rwanda.
Bangonde, Bazako Luka, et ils sont les premiers pour que la situation du Congo ait persisté jusqu'à ce que Bango Bayi Bakaka, Kaba Matière Premier à Congo, Bakoza Kaba Guerre na Congo, Bateke Laka, Kagame Minduki, Minduki Kotaka Congo, pour Basala Kaga Guerre tout le temps. Alors, pour l'encontrer contrer Batoyo, écoutez très bien, moi je trouve ça c'est une intelligence, l'intelligence de Bemba. Dans le sens qu'elle a dit, non, non, non. Ce qui te l'indique à Batoyo, à Occidentoyo, nous, on finira par le problème là de l'Est. On doit chercher aussi d'autres partenaires. C'est comme ça, Bemba a convoqué aussi l'ambassadeur de la Russie à Kinshasa pour présenter la situation de la République. Parce que nous cherchons la solution. On s'en fout de l'ONU, on s'en fout de la France, on s'en fout de l'Union européenne, on s'en fout de la SADC, on s'en fout de l'ERC. Nous, Congolais, on cherche la solution pour que la paix revienne chez nous. Alors, tout le monde qui nous ramène la paix, et le bienvenu. Et le bienvenu. Moutoutou a zoa kon pèse abisso peine à Congo, azali le bienvenu. Moutoutou a kote que l'abisso mindou ki pola tobungisa M23, aza bienvenu. Moutoutou a kon pèse abisso stratégie pour que to bloqué, bidon ko kaka mazo sa anakata Congo, aza le bienvenu. Alors Kagame, et plutôt Bemba, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Russie à Kinshasa, pour nous retarder sa doléance à Congo. Toleli partout, na ONU toleli, na États-Unis toleli, na ba pays nini au Congo et tambolité sali diplomatie pour la base de la solution. On nous regarde comme si de vaurien. Ils savent la situation qui se passe au Congo. Ils savent pour comment mettre fin avec sur cette situation. Et ba to la biso quoi ba soba. Mais ma bi bon, ça va. Biso peut to rota la bino kaka, mais entre-temps nous aussi nous prenons un peu nos différences et puis tous nous kaba partenaire na biso. Chaque pays est souverain. Pays toi ça souverain a le droit de signer partenariat na mututu aling. Bemba pa continuer na makamba rishi boyo kabino awa quand il a reçu l'ambassadeur délégation à Russie au baiki na katia ministère de la défense. Suivez la vidéo a. Écoutez, excusez. D'être reçu par son excellence VPM, ministre de la Défense nationale. Et tout d'abord, on a parlé. D'être reçu par son excellence VPM, ministre de la Défense nationale. Et tout d'abord, on a parlé de la situation à l'est de la RDC, puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est très préoccupée de la situation qui reste très tendue et surtout de l'activisme des groupes d'armée à l'est de la RDC. Et donc la Russie est prête à donner tout son aide, son concours à la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes vraiment très intéressés de la cession d'activité de tous les groupes armés à l'est de la RDC et pour que la paix puisse être rétablie là-bas et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordial dans ce parti du pays. Oui, il y a un an, la Russie a octroyé une aide très importante à la RDC. Il s'agit d'un lot très important de l'arme et de la munition qui est utilisé actuellement par les FARDC à l'est et surtout dans le combat contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes très intéressés et on parle aussi de l'intérêt de la partie congolaise de la promotion de notre coopération militaire. Voilà, je crois que la réponse peuple congolais, Boutou Koyoka, ya Russie, est allée trop claire, bah, expliquer Bichot clairement, n'est-ce pas, Makambo et Bango Baye Kosa Nakata Congo, comment ils veulent aider la République démocratique du Congo à s'en sortir de la situation Oyo Bazako traversée. Donc, nous sommes, n'est-ce pas, reconnaissants envers tout le monde, envers tous ceux qui veulent nous aider, pour que tout, si sa situation, tout ça qu'on traversait Nakata Mboka Nabisso, donc, si la Russie veut apporter, en tout cas, son aide
en République démocratique du Congo, pourquoi pas? Nous ne sommes pas opposés à cela. Bah même la biseau solution pour que réellement la paix revienne dans ces parties du pays. Trop c'est trop, peuple congolais, on a tellement souffert. Alors si réellement que Essengi Batouana Bapé Sabiso. Moi, je disais ça depuis longtemps à ces soi-disant ONI, n'est-ce pas, les États-Unis d'Amérique. I told them already, I said, you guys, if you're not paying attention in what's happening in the Congo, because the Congolese people, they are crying every day. Every single day we are crying. We have a lot of death there. We don't know who's killing the people. We need a peace in Congo. We need the, I don't know, we don't need the dialogue with those members of M23 because we know where they belong. We know where they belong. So all the USA, the international community, the UN, they're supporting Kagame because since all the report from the UNA, we never see the UNA give or sanction a Kagame regime. No. Even the USA, just the little sanction to Kagame or his regime. But they are no, because the USA secretary, Tony Blinken, was there in Rwanda. Even himself, he told Kagame in his face, don't try to go against destabilizing Congo. But Kagame don't listen, don't understand. Because of what? There is no action. There is no action from the international community to sanction Kagame or to sanction his regime. He has a lot of support from the USA, from the UN, from the UK, from all the European Union. They're supporting him. So that's why Kagame is like, I don't care. Whatever you guys can say, I don't care. Why he don't care? Because there is nothing can happen to him. He knows nothing can happen to me. Why? Maybe because Kagame opening the door for the mineral of Congo. That's the truth. Combien de fois nous parlons de ces choses ici? Nous disons à la communauté internationale, faites attention. Faites attention. La RDC peut basculer vers la Russie. We are saying that like it's not a joke. Those things is like 20 years and 20 something years now. We have the same issue and we don't have, we never find a peace. So what the Congolese can do? Because all their presidents, the Kabila regime, now is the Tshisekedi regime, now, but nothing is changing. We did what we're supposed to do. We ask you guys if you need to do business with us, just come straight, talk to us. Our door is open. We can do everything you guys want. But we don't need like those killing continue over there. No, we don't need that. That's why we are asking you every day. Man, you can stop it. If you blame Kagame or you sanction Kagame, Kagame will understand. But nothing is happening to Kagame, so it feels like I'm the boss here. So what the Congolese government can do? What the Congolese government can do? Even the Russia, Putin, see, this is an opportunity for me. Let me go in the Congo and then try to help them. What the government Congo can do now? You just say, okay, you guys want to help us? Just come help us. And then it will be a fight between Russia in the Congo and the Western in the Congo too. Because you'll be like what? Fighting for the mineral? Fighting for the resource of Congo? We are telling you every day. We need the business with us. You guys need a business. We know you need a mineral. We need some resources from Congo. Just come straight. Talk to us. Those guys are very open. They are very open. But you don't need to listen. Okay, what the government of Congo can do right now? What they can do? If the Russia, you see the Russia over there. So they will open their hand. They will open their hand to say, welcome to Russia, to help us. And when the Western will do? Will sanction Congo or will sanction Russia? How many years we are telling you, please, pay attention to what's going on in Congo. Stop Kagame, his mass killing in Congo. Stop Kagame! Okay, si vous ne voulez pas écouter,
On le dit tous les jours aussi à l'Union européenne, à tous ces pays de l'Afrique, de l'Europe ici, de l'Occident, comme ils appellent, ils sont trop mal développés. Nous avons vu la différence, comment l'ensemble de l'Union européenne soutient un peu l'Ukraine avec des armes, tout ce que vous donnez. Ce n'est pas un problème pour nous. Mais notre problème, il n'y a plus de morts. Il y a la guerre que nous ne sommes pas d'accord, ce que la Russie peut être fait à l'Ukraine. Mais il y a aussi la guerre au Congo. Plus de 20 000, plus de 20 millions même, je dis 20 000, plus de 10 millions à 15 millions de Congolais qui sont morts au Congo, à l'est du Congo. Et pourquoi plus de 20 ans, il n'y a pas la paix? Vous nous avez amené une mission de l'ONU qu'on ne trouve pas l'essentiel, le pourquoi ils sont là au Congo. Et quand les Congolais réclament, il n'y a pas la paix, il n'y a pas de solution. Tous les présidents qui circulent au Congo, de Mobutu, de Moïse Kabila, et puis de Joseph Kabila fils, et aujourd'hui nous avons Félix Tshisekedi de pouvoir, ils ont suéné ici, ils ont parlé à l'ONU ici. Vous connaissez bien le problème du Congo chez le Rwanda. Mais le Rwanda a des soutiens de multinationales qui lui disent, bon, fais ce que tu veux au Congo, il n'y a rien, personne qui va te faire quelque chose. On le voit. Maintenant, aujourd'hui, comme vous ne voulez pas nous faire la paix, vous ne voulez pas nous donner la paix, vous ne voulez pas nous aider. Maintenant, si, comme on voit, l'ambassadeur de la Russie a été clair, ils ont envoyé des munitions aujourd'hui que le FARDC utilise pour combattre ces soi-disant rebelles du M23. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement congolais va faire? Il va simplement ouvrir ses bras pour dire à la Russie, soyez le bienvenu au Congo parce que nous avons besoin de l'aide. Nous voulons finir avec cette situation que nous traversons. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez condamner la République démocratique du Congo. Pourquoi vous avez tourné le dos, n'est-ce pas, à nous, comme vous aimez vous appeler l'Union européenne ou machin comme ça? Non, ce n'est plus la faute de la République démocratique du Congo. Parce que nous avons tendu, nous continuons à crier vers vous. Venez nous aider. Stoppez Kagame, sanctionnez Kagame. Mettez un peu la pression sur lui et le monsieur va écouter. Vous dites, oh non, on s'en fout. Non, ça ne nous préoccupe pas. Mais vous connaissez qu'il y a des morts tous les jours au Congo. Il y a des situations catastrophiques au Congo. Maintenant, vous voyez comment la Russie commence maintenant à profiter sur la situation. La Russie profite sur la situation. Et tout peut basculer. On ne sait jamais la pensée de l'homme. Tshisekedi n'est pas Kabila. Tshisekedi n'est pas Kabila. Il peut se lever un bon matin, il change tout. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Les tuer encore comme on a tué Moïse Kabila? Vous allez faire quoi? Les faire assassiner ou bien les faire chasser du pays comme vous nous avez menti sur le départ de Mobutu, qu'il fit dictateur, mais il y a Kagame qui a 27 ans au pouvoir, il y a Museveni qui a plus de 33 ans au pouvoir, il y a le président du Congo Brazzaville qui a plus de 33 ans au pouvoir. Vous allez faire quoi maintenant? Parce que vous venez tromper les Congolais, vous avez chassé le maréchal Mobutu en nous faisant quoi? Qu'il fasse un dictateur, tout ça. Mais il y a d'autres qui sont plus dictateurs que lui, qui ont pris des années au pouvoir que lui, mais vous ne le faites pas partir. Il y a Kagame qui fabrique des élections au Rwanda. Vous ne faites rien, vous ne dites rien. C'est au Congo qu'il y a plus de pression. De pression, pourquoi? On ne comprend pas. Et nous disons que Tshisekedi n'est pas Kabila. Et on ne sait pas ses pensées, ses idées. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah! Bon entendeur, Sali. Hein? Donc, je vous disais, comme l'a expliqué Bino Peuple Congolais, que dossier à Congo, yo, Bamindele, Bazo, mon abisoka, le roi, Bazo, toujours le barra, toujours répété, que toujours le barra, toujours répété. Malem et malem, Bepe, Bemba, yo, on a sa juillet, là, en Russie, to ébite, le roi, Nibasoroli, parce que Batbaza, ou l'ouga solution pour Nambokawana. Alors, ceux qui, n'est-ce pas, Jean-Pierre Bemba, à Kenaye Makamunaye Kotewana, qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait? Alors, Togoye Bate Batouana, Togotala, ceux qui, Bako Ede, ou bien Bako Ede, on verra la suite. Alors,